connaître. Chacun son métier. Allez, s'il vous plaît. J'invite les électeurs qui m'ont fait conscience à n'accorder leur suffrage ni à Madame Royal, ni à Monsieur Sarkozy. Je les invite expressément à s'abstenir massivement, se réservant pour le premier tour des élections législatives le 10 et le deuxième le 17 juin prochain. Fiscale dissuade employeurs et salariés. Nous voulons rétablir le libre choix du temps de travail afin que chacun en décide souverainement. Il serait illusoire et dangereux de voter pour la candidate socialiste pour se venger du hold-up réalisé sur notre programme par Nicolas Sarkozy. Soutenu par l'extrême gauche révolutionnaire, on sait qu'elle veut, entre autres, régulariser les clandestins. Mais il serait aussi insensé d'apporter nos suffrages à un candidat qui continue de nous considérer comme des extrémistes et de refuser de permettre par la proportionnelle à nos millions d'électeurs d'être représentés à l'Assemblée nationale et qui, comme la gauche, refuse de nous considérer comme des républicains. 1% du PIB en diminuant les impôts sur le travail, impôts sur le revenu et impôts sur les sociétés pour Vive le Front National, vive la France!